Salut tout le monde, c'est Paul, bienvenue sur Petit Cauchemar 2 et c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique. La dernière fois, c'est laissé ici et nous devons aller en haut. Je sais pas ce qui nous attend. Mais ça fout des jetons. Alright, pour l'instant, rien de trop intéressant, hein? Non? Ok, et si on allait là, peut-être on peut jouer avec ça. Ouais, une horloge non fonctionnelle. Tu crois que tu peux jouer avec ça, bien? Hey, c'est bon, bien, il manque un tableau. Ben oui, il manque un tableau. Je vois l'ombre et tout, là, mais il manque quelque chose. Bradess, voyons donc. Alors, est-ce que je peux prendre des objets ici et jouer avec ça? Ouais, c'est bonhomme, il fout les jetons. Peut-être que si je prends ça et je pose ça là. Oh! Attends. Refais ça? Hein? Pourquoi tu veux pas le faire? Oh, faut qu'il soit positionné là! Et ensuite, je fais du parcours de ce genre! Je veux pas lâcher la porte! Non! Je veux pas lâcher! Ah! Je l'ai lâché! Alright! Est-ce que vous entendez la musique? Oh! Pourquoi je sens que c'est un piège? On dirait le masque dans Majora Mask, hein? Oh, waouh! Bon, les poteaux, quand il faut le faire, il faut le faire. Faut prendre cette pièce importante. Ah! Pour vrai? Oh, je peux pas. Oh, je peux pas prendre ça. Oh! Pourquoi je la sens pas celle-là, Pédèche? Aïe. Ok. Au milieu, je vois un bonhomme. Il ne réagit pas, cela veut dire qu'il est correct, hein? Ou peut-être il fait semblant qu'il n'est pas vivant et il va me manger si je m'approche de lui. Mais là, j'ai jeté ma pièce à côté de lui. Oh, aïe. Attendez, il y a une autre pièce ici. Peut-être que je peux faire de quoi? Ouais, j'ai fait mon con. Je crois que je suis dead. Ok, YOLO, man. Ah! Oh! Oh! Ok, d'accord. Je peux pas jouer avec ça. J'ai compris. En gros, il faut que j'aille chercher la pièce qui se retrouve ici. Oh. Ah, d'accord. J'ai compris. Il faut que je fasse échec et mat. Quelque chose comme ça. C'est sûrement ça. Gros problème, mon amigo. Je suis nulos aux échecs, quoi. Alors, on va faire n'importe quoi. Non. Attends, est-ce que je peux faire YOLO? Je peux pas faire de YOLO. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Attends, hold up. Voilà, et là on va mettre ça ici pour faire ça. Attendez, comme ça, et là ça. Hiya! Et là, est-ce qu'il y a d'autres pièces? Pour l'instant, je ne vois pas d'autres pièces. Est-ce que je peux jouer avec le cheval? Non? Ok, est-ce que je peux aller là? Non? Alrighty, boy, il n'y a pas d'autres pièces? Mais il me manque des pièces. Tu veux me manger, ma bête? Hey, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Non. Ok. Ah ben oui, regardez ça. C'est correct. Parce que le roi est là, ce qui veut dire que ce roi-là, il peut pas bouger sur ces trois cases. Si je mets la reine là, il peut pas bouger sur ces cases-là. Et la tour qui est là, le bloc. Oh là, il est coincé. Ben oui. Ok, non, je peux. Hey, yo, bête, what the hell? Aïe. Des fois, les contrôles, là, c'est pas wow, là. Des fois, tu fais des trucs que tu ne veux pas faire. Mais c'est ça, 100%. Échec et mat. Et là, il va essayer de me manger. Ok. Alright. Peut-être que ça débloque quelque chose ailleurs. Est-ce que c'est possible? Bon, ça, quoi? On va aller à gauche. Parce que je suis jamais allé à gauche. Peut-être qu'il y a quelque chose là-bas. Peut-être que, je sais pas, moi, la porte s'est déverrouillée pour... Peut-être pour vrai? On sait jamais. Oh, il n'y a rien. Il n'y a rien là. Il y a juste un bonhomme. Et il a perdu aux échecs. Et c'est pour ça qu'il va disparaître. Ok. Bon, ben, c'est confirmé à 100%. Il n'y a rien à faire à gauche de l'établissement. Alors, il faut aller dans l'endroit où on était tout à l'heure. Mais là... Il y a quelque chose qui me manque. Peut-être c'est un fou. C'est sûrement ça. Attendez!
Ah, ok, tu me dis c'est quoi la solution? Ah, non. Non, attends, pourquoi je dois bouger? Eh, attendez, non, c'est échec et mat comme ça, non? Le roi, il peut pas bouger. Bon, écoutez, on va écouter ce que le tableau, ben, le graphique m'a dit de faire. Mais je comprends pas. Je comprends juste pas pourquoi ça doit être là comme ça. Regardez, y a un problème ou quoi? Parce que là, reine, roi, tour. Reine, roi, tour. Mais je l'ai fait, voyons donc! Je voulais pas le faire, mais peut-être qu'il faut vraiment faire ça. Ok. Oh. J'arrête de m'en douter. Je croyais que quelque chose allait apparaître devant moi. Okay. Oh, anyway, on a trouvé la clé. D'accord. Une clé qui se retrouve sur une chaise au beau milieu de nulle part. Alors, c'est quoi cet endroit, Ben? Ils avaient prévu que je vienne ici, que je résous ces puzzles pour pouvoir sortir de là ou quelque chose comme ça. Le truc, c'est que normalement, tu ne mettrais pas une clé sur une chaise comme ça au beau milieu. Ben, dans une pièce secrète, vous voyez ce que je veux dire? Alors, ils avaient prévu que je vienne ici, que je joue avec eux. Yopi! Ok, voilà. Oh! Oh! Non. Est-ce que vous entendez ces bruits? Hey, si ça vous dit pas qu'il y a quelque chose qui va se passer, il y a un gros problème, amigo. Mais avant tout, donnez-moi une seconde. Oh, non, je peux pas jouer avec la porte. D'accord, je sens que j'ai manqué tellement de secrets. Oh my god, what the hell is that? Oh, what the... Oh! Oh, dégueulasse, badass. Ok, je peux aller là. Bon. Ah! Ok. Comprendo, amigo. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Mais, j'ai pas envie d'aller dans la cafétéria. Oh, je me rappelle, quand j'étais au secondaire... comme ma famille était méga pauvre, alors on avait des coupons alimentaires. Pour 11$, on pouvait manger pendant un mois à l'école, dans la cafétéria. Oh, c'était la bombe, man. 11$ par mois. Et tu avais, quoi, un dîner et collation, là. Ouh, ouh, ouh. Oh, man. Ok. Je ne veux pas savoir ce qu'il fait. Pepito, est-ce que c'est toi qui as mon coupon alimentaire? Oh, regardez en haut. Il y a un petit bonhomme qui nous observe, BD. Je suis désolé, Pepito. Attends. Yo, you wanna fight? What the? Oh! Oh! Fallait l'attendre! Ok, avant de me sauter dessus, il faut qu'on... Alors, c'est à ce moment-là qu'on peut les attaquer. Comprendo. Si je forme mon corps une fois, je saute par la fenêtre. Regardez ça. Impossible que je manque mon coup. Alright! Viens dans ma soupe, pédé! Martinez! Ok, yo, ok, lui c'est le big boss. Martino! Décapitation ultime, man. Yo, ça me tentait pas de vous faire ça, là, mais... C'est de votre faute, les badass. Mais là, la musique intense se joue encore. Cela veut dire que ce n'est pas terminé? Ah, je peux pas jouer avec ça, d'accord. Je peux pas aller là-dedans me faire cuire. Comprendo, amigo. Pourquoi je sens qu'il faut que je prenne ça? Non! Je me disais qu'il fallait faire ça! Parce que comme la musique se jouait encore et tout, et sa tête était la seule qui était intacte comparée aux autres! Pourquoi il y a des boulis ici? Man, moi je suis le mec qui se fait mettre la tête sur l'assiette d'habitude quand j'allais à l'école. Oh, bande de petits garnements, what the hell? Hey, il y a un bonhomme qui est attaché sur une assiette. Je sais pas si vous avez eu ça là, mais... Alright, vous savez quoi? Moi là, je ne veux rien savoir de ces bonhommes. Imaginez que je ne vais pas chasser par tout le monde. Ah! Ok, yo. Mon casque, mon costume s'est fait capoute.
Mais je croyais que j'étais encore vivante et qu'on allait tous me chasser. Ça faisait peur, mais... Et voilà pourquoi je vais jamais travailler avec les enfants. Tous ceux qui ont des garderies, tous ceux qui travaillent à l'école là, vous êtes des boss, man. Bravo! Je pourrais jamais faire ce que vous faites, man. Oh, on paye pas assez les professeurs et les gardiens de garderie, man. Oh my god! Sa tête! Vous allez détruire sa tête, man! Oh, what the... Oh! Si je m'étais fait pogner, ça aurait été la fin pour moi et... Yo, qu'est-ce que vous faites? Au moins, trois enfants qui jouent tranquille, relax. J'ai jamais vu ça dans ce jeu vidéo. Trois enfants normaux, voyons donc. Oh, what the... Ah! Yo, arrêtez de me bully, man! Bienvenue à l'école, pauvre. T'as cassé ce truc au bon endroit. Si tu n'avais pas fait ça ici, ça aurait été la fin pour toi, mon ami. Mais là, je peux plus faire marche arrière, alors qu'est-ce que... Les enfants font tellement de bruit que même si je fais du bruit, cela ne fait rien. Oh, maintenant, je comprends pourquoi la professeure Creepy n'arrête pas de discipliner les enfants. Parce que ce sont des petits délinquants garnements, man! Oh my god, non, je veux pas utiliser cette affaire-là, what the hell? Est-ce que... Non! Ezio! Give me your power, bro! I did it! No way. Non, ne me dites pas que... Ok, let's go, man. Oh! I did it! Ok, touche pas les bocales. Parce qu'il y a là... Oh my god, est-ce que je peux manger ça? Cerveau? Give me your cerveau, bro! Oh, le bocal, c'est pas capote. Ok, impressionnant. Ok. Oh, je comprends. Le bocal est tellement... Ow! Solide. Que je devais l'utiliser pour taper le bouton. C'était pas ça du tout. Lorsque j'étais tout en haut, j'ai jeté le bocal tout en bas. Y'a rien qui s'est passé, ça pas capote. Et là... Juste un petit boop ici, et c'est fini. La logique, les amis. Oh boy, en plus je marche pieds nus. Aïe aïe. Ok, si tu saignes pas des pieds là. Hey, Damson. Tu prépares le petit déj pour tes les petits garnements, c'est ça? Des crapauds? Ok. J'ai hâte de manger ce midi, les amis, mais... Oh. What the hell, brother? Attends, tu veux que je bouge? Okay. Ah! Je bouge trop tard! Non! Ne me tue pas, yo! J'ai goût de mauvais, je suis trop salé, s'il te plaît! Oh my god, Lord! Honnêtement, Malta, je croyais que tu voulais que je t'observe faire de la cuisine. Je savais pas que tu voulais que je bouge par là. Alright, les amis, je suis un petit rat, aussi furtif qu'un petit chaton. Non, ma tête de lime, je suis parti. Non, mais je comprends pas pourquoi tu essaies de la chasser quand je parle à mon bonhomme. Hé, hey, oh non, il faut que j'y vais. Oh boy. No way. Ok. Les brothers, c'est rempli de cerveau. J'ai compris. Yakusoku no Nevolando. C'est ça à 100%. Damn. Comment ça tu m'as vu? You did not see anything, brother. Brother. Oh, tu peux pas utiliser ta tête. Ah, tu peux utiliser ta tête. You did not see anything. Oh, je suis vivant encore? No way. Ok, tu veux me chasser pour vrai? Ah, ne t'en fais pas, je suis un petit rat. Tu ne me verras jamais. Oh non, ne me dites pas que je dois passer par là. Oh! Je touche à un bocal, je suis dans le caca. Je sais pas si je peux marcher normalement ou il faut être accroupi. J'ai du mal à dire ce mot, accroupi. Parce que si je suis accroupi, eh ben, cette personne
ne peut pas m'entendre. Mais... je sais pas où aller. Est-ce que je descends? Est-ce que je saute? C'est quoi? YOLO par là? Oh my god! Hey, tu ne vois rien! Je suis un bocal! Alright, c'est bon. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix, hein? Je voulais pas passer par là. Parce que c'était le chemin le plus logique à prendre. Mais bon. Ah, oh, t'es une prof de biologie, si je comprends bien. Ok, je peux y aller? Une chance que je suis plus petit que ces bocaux là. Je sens que si j'y vais maintenant, c'est la fin. Qu'est-ce que tu entends? Ah! Tu l'as... Non! Ah! Ah! Tu peux vraiment... Oh my god! Oh, je croyais que tu m'avais pas vu! Oh non! Oh là là! Ok, dans cette partie-là, c'est crazy, man. Ok, les potos, on va attendre un tout petit peu avant d'y aller. Qu'est-ce que t'as pris là? Je sais que ce sont des ustensiles, mais je sais pas quels ustensiles. Tu fais du café? Alright. Oh, oh, peut-être que j'aurais dû juste foncer. Yo, il y a bien à côté de moi, Brades. Si je saute maintenant, est-ce que c'est correct? Est-ce que ça fait du bruit? Yo. Let's go. Yes! Mais gros problème, mon amigo. Est-ce que je peux ouvrir cette porte? Non. Je sais qu'il faut aller en haut à droite, mais... Yo, peut-être qu'il y a un passage secret, Torino. Ici, toi. On dirait que non. Peut-être qu'il y a de quoi ici? J'ai rien vu. Je crois qu'on va y aller. Oh non, 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 non. Cette étagère va tomber. Oh, je le sais déjà. Regardez ça. Non? Ok. D'accord. Vas-y. Au! Au, Chirino! Attendez. Attends. Chut. Ah, je peux pas interagir avec ça, évidemment, man. Non, mais... pourquoi on me... On dirait que le jeu fait en sorte que je puisse remonter, non? Non? Ok, je peux pas remonter, d'accord. Oh! Oh non! Oh! Je suis entouré d'ennemis à longueur de journée! Bon, mais quand il faut le faire, il faut le faire! Oh, God! Il y a un autre bonhomme qui s'est fait avoir! Oh my god! Ok, hold up, regardez ça! Vous allez vous faire avoir! Et après, j'ai volé ta pomme! Ah! Oh my! Yo! Maltino! Gardez-moi! Ok, voilà, tranquille. Oh, t'es pas encore tête! Voilà! Pépito! What the hell, Pledus? Oh, bande de fou, man! Oh, je peux pas faire balancer ça? Oh, c'est vraiment dommage. Je sais pas si je dois amener le Juju avec moi. Mais vous savez quoi? Mieux vaut prévenir. What the hell? Mon Juju? Ok. Mieux vaut prévenir que guérir, on sait jamais, hein? Hein? Oh? Ok. Ça a l'air tigidou. Oh, je savais qu'il allait avoir une petite surprise. Martino! Martinez! Attends, est-ce que je peux péter cette porte? Évidemment que non, hein! Et attends, est-ce que je peux péter ce casier? Évidemment! Il y a sûrement un casier à péter. Bah! Oh, plus! Oh, oh! Wow! Tu m'as eu! Oh my god! Yo. Avant de me sauter dessus, il a fait... Ça m'a déboussolé, voyons donc! Déboussolé? Je voulais dire désorienté! Et là, attends, je veux pas trop m'avancer, je veux pas que l'autre dude arrive. Ok, voilà. Fais ton nananana. Et là, bam! What the hell? Oh non, je suis trop proche du mur, alors je me suis fait avoir... Vous n'êtes pas sérieux? What the hell, Pratis?
Ça devait pas se passer. Ok, regardez. Voilà ce qui doit se passer. Tranquille, relaxo. Bye bye. Et Tansy, tu vas faire bonne nuit. Oh, vous savez quoi, man? Je vais foncer sur ce bonhomme. Allez, ouvre ton casier, bladet. Je tourne en rond parce que ce bonhomme. Voilà ce qu'il mérite. Ok, c'est tout ce qu'il fallait faire. Et attends. I did it. I did it. Finally. Alright. Ah! Oh, oh my Jesus Lord! Ok, tu sais quoi? Lâche ça. Lâche ça. Ok, non, mon bonhomme veut pas lâcher ça, voyons donc. Ok. Alright. Donc, tu sais, si tu m'appelais à l'aide, là, j'allais venir t'aider. Non? Ok, c'est bon. J'ai remarqué que j'ai encore besoin de ceci. Alors, mon ami, je vais venir te sauver dans quelques instants. Et... Yopadaï! Ton ami est dead et tu t'en fous? Ok, d'accord. Il y a une chance, t'es pas tombé tête baissée, hein? T'es tombé à cou baissé. Sinon, c'est fini pour ta tête. Je suis là pour toi. Tiens ma main. Allez, on se tient la main. Oh. Je suis là pour toi, mon frère. Ma soeur, je t'aime. On va partir d'ici vivant, ne t'en fais pas. On a la liberté qui nous attend et... Yo! Si on a besoin d'aller aux toilettes, comment on fait? Parce que là, mon ventre, là, il est rempli, man. Anyway, Pepito, on y va. J'ai besoin de ton aide. Pour vrai, je t'ai sauvé parce que sans toi, je peux pas partir d'ici. Alright. Hey! On est enfin parti de l'école! Nice! Et là, on se retrouve dans un endroit avec un piano. Oh my god, non. Il y a sûrement un fantôme qui va faire de quoi. Bon, ben yo! Je viens tout juste de te secourir, mais je dois te faire travailler! Oh my god, yo, je suis puissant, oui! Regardez comment je soulève ça comme un boss! Ok, tu veux t'éloigner un peu? Parce que sinon tu vas tomber? Non? J'ai toujours rêvé de jouer au piano! Eh bien, mon rêve s'est réalisé! Alright! Oh my god! Non, pas tout de suite! Je peux sûrement aller en haut! Ah, ok, on peut pas aller en haut! T'es prête? 3, 2, 1! Ah. Voilà. Oh, t'inquiète, on a juste causé 5$ de dégâts. Il y a les assurances qui vont payer. Mais en fait, les assurances vont couvrir ça. C'est pas les assurances qui payent. C'est d'autres choses, ça, voyons donc. Et là, je crois que je dois te booster, hein. Les femmes d'abord. Allez, les femmes d'abord. Toujours moi. What the hell? Ok. D'accord. Bon, écoute. Oh! Ma boy! Ma girl! T'es un boss! Oh non. T'es trop bonne, man. Et là, est-ce que c'est moi ou bien t'es debout? Le dude, il est debout, hein. Ok, attendez, est-ce que je peux? Non? Ok, c'est bon, j'ai compris. Mais là, il y a sûrement un petit passage secret quelque part ici. C'est impossible qu'il n'y ait rien. Mais pour l'instant, je ne vois rien à part des déchets. Eh bien, je me retrouve chez moi, on dirait. Bon, ben, c'est pour toi qu'on n'a pas le choix, Oh, vous avez de la force, hein? Oh, wow. Ok, d'accord. I got the key. I got the key. Pourquoi tu t'assois comme ça? On est encore à l'école? Je croyais qu'on en avait terminé! Oh, ne me dites pas que c'est l'examen de fin d'année! Et attends, non, qu'est-ce qu'il va faire? Mon ami? Attends, non, ne fais pas ta folle! What?
Ok. Est-ce que tu peux me dire pourquoi je suis allé chercher ceci à... Est-ce que tu peux m'apprendre comment t'as fait ça? Parce que ça m'intéresse beaucoup. J'ai envie de voir quelque chose. Est-ce que je peux taper mon ami? Ok, évidemment. Il y a une cible ici. Est-ce que je peux taper ça? Bon, il n'y a pas de passage secret. Je suis quasiment sûr à 100% que dans certains endroits, le plancher n'est pas solide et tu peux taper ça avec ton boum boum chikawawa et c'est terminé. Tu découvres un nouveau passage. Mais vous savez quoi? On va prendre une petite pause parce qu'on dirait bien qu'on doit passer des examens finaux, mais... Alors, mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Et aujourd'hui, c'était tellement intense. Et on dirait que ça va être encore plus intense parce que l'école n'est pas terminée. Et ben, moi qui croyais que j'avais terminé d'apprendre que 1 plus 1 égale 11. Bon, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Vous procurer l'un de ces t-shirts de fou grâce au site qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux. Plata, thank you very much, vous faites du support amico. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!